ici, on est sur du coup du Bandai Band Presto avec la gamme My Hero Academia en version Super Master Piece. Super Master Stars Piece déjà, hein. The All Might par BWFC. Donc c'est la nouvelle. BWFC, qu'est-ce que c'est? C'est la gamme télé chaîne nationale d'Asie. Non? Non, c'est pas ça, mais je vais essayer. 10e année. Ah, Band Presto World Figure Coliseum. Et c'est écrit. Exactement. C'est du coup, toutes les années, il y a un concours justement organisé par Band Presto dans le monde entier. Les sculpteurs du monde entier peuvent y participer et proposer justement des designs. My Hero Academia, One Piece et également Dragon Ball font partie justement de ce trio de séries. Soul Might a été retenu l'attention de tout le monde. Tout le monde a pu voter. Il pète énormément. Et du coup, ils l'ont dérivé entre 4 coloris différents. 4 coloris. Alors, pour vous donner le bon nom, vous avez du coup, ils appellent ça Two Dimension. Ici, on a Toon. Ensuite, on a Anime et on a Brush. Bah, exactement. Donc, c'est 4 modèles qui sont également au même prix. 799 de produits, ce qui est hyper qualitatif pour le fan. Je veux dire, c'est que 80 euros. Vraiment. Et il est lourd, franchement. Il fait un certain poids, tous les 4. Quand je vois celle-là, je regrette limite de ne pas avoir pris la déco qu'on a eu à un moment donné. Ouais, elle était magnifique. Elle était magnifique. Elle était super. Et il devrait mettre plus de gamme comme ceci. Même pour Dragon Ball. Ah oui, même pour tout, parce que c'est des statues qui sont masterpiece. Elles font un peu une grosse lignée à la Koto, statue à 7ème façon de parler. Mais là, elle est en plus bien positionnée et les 4 ont quelque chose. Il n'y a pas une qui est... Bon, là, la Two Dimension est vraiment exceptionnelle et magnifique. La Brush, c'est une des préférées de l'équipe. Les autres, elles sont cool, mais elles passent partout. Si tu as une... Moi, j'en discutais tantôt avec quelqu'un, je fais honnêtement, ça se qu'elles sont quand même 79-90, mais t'as envie de prendre les 4. Les 4 pour te dire, ok, tu la mets au-dessus de ta manga tech. Non, ou, tu fais une salon. Table avec les 4 pieds. Ça serait classe. Alors, donc, du coup, pour vous critiquer, on va commencer avec la Brush. Alors, la Brush, en fait, on va pas se mentir, c'est la version anime, mais Brush, donc je veux dire usé. Avec usé, le côté plus ombragé, mais pas aussi ombragé que Manga Dimension. Ouais. Mais franchement, il a un côté plus réaliste et elle pète à mort. Franchement, c'est vraiment le même sculpte de base, il n'y a jamais aucune différence. Sachez pour la montée, bien vous avez les jambes, le torse et les deux cheveux en l'air. C'est comme ça. Mais vraiment, vraiment magnifique. Celle-là, c'est la plus classique et celle qui fait le plus animer l'animation dans les séries télé, tu vois ce que je veux dire. Là, la Two Dimension, c'est vraiment le coup de cœur de tout le monde. C'est elle qui a marché le mieux. C'est vraiment manga, même la couverture du premier tome, en fait. On retrouve ces gros traits noirs que l'auteur utilise et tout. Et moi, c'est pour ça que je craque directement sur ça. C'est un travail, en fait, particulier, parce que vous pouvez voir que d'un côté, il y a beaucoup de couleurs, et de l'autre côté, ils l'ont vraiment assombri à fond pour accentuer justement. Pour une fois, je trouve que le manga Dimension fonctionne très bien sur My Hero Academia, parce que l'auteur a l'habitude de faire justement ces traits-là. One Piece, je trouve c'est vraiment laid. Et sur Dragon Ball, un coup sur deux, c'est bon. Ouais, soit c'est dégueu, soit c'est génial. Ça, c'est pas à dire. Alors par contre, la plus flashy, la plus pouf, je suis All Might, what for, c'est celle-là. Alors celle-là, regardez, rien qu'à la caméra, vous avez carrément l'œil qui est parti à gauche. Ouais, franchement, il y a une différence parce que celle-ci, on dirait un peu, t'as DC Comics et puis t'as Marvel. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, vous avez du DC et du Marvel, voilà, enfin là, c'est du manga, mais c'est pas... Mais voilà, vous avez vraiment un truc très très flashy qui passe bien, mais je trouve dans une chambre d'enfant ou dans une pièce où tu veux que ça soit, tu vois ça, tu rentres dans ton salon, c'est, oh ça c'est All Might. Voilà. C'est pas le mec qui est derrière dans ta télé qui se cache dans les bosquets, non. C'est All Might dans ton salon. Tu le mets même en pleine nuit, tu le vois. Et pour finir, on a du coup la version du coup noir et blanc qui elle fait. J'aime bien, mais en fait j'ai voulu un combo noir et blanc. Avec ça, ouais. Avec ça. Ouais, là, vrai. Mon gars, de fait ça. Ouais, parce que celle-là elle fait justement très planche de manga, si je peux dire comme ça. Mais il lui manque son côté Doux Dimension. Ouais, c'est ça qui lui manque. Elle est trop claire, c'est ça le problème. Tu la regardes vraiment comme tu as envie de faire le bisou. Je peux pas dire. Non, voilà, mais. En silicone. Il est vraiment cool, ouais, en silicone. C'est la reine du studio. Taille réelle, etc. Bon, magnifique. Alors, notez aussi également que vous pouvez leur faire des checks. Vous pouvez les mettre du coup comme ça. Je sais pas. Là, je trouve qu'on dirait un truc de Boys Band, tu vois. C'est impressionnant. Mais même comme ça. Tu vois, et là, on dirait une transformation comme dans les années 80, tu vois. Ou les Power Rangers. Non, pas en jeu. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Mais là, tu vois, tu te rappelles le côté lumière, etc. On dirait Flash, là, regarde, pff, il avance. Putain, tu vois, qui est en train de courir. Ça aurait été classe, franchement, il devrait le faire. Si vous nous regardez Bandai, déjà, désolé. Il ne regarde pas. On s'excuse d'être aussi fun en vidéo. On voit bien que vous n'avez pas à faire un youtubeur habituellement comme ça, mais nous, on essaye vraiment. C'est vrai. Non, les reviews Band Presto en général, franchement, ils sont pas fun. À part le mec qu'on a rencontré à Oshioneri, il est super sympa. Avec ses lunettes, je sais plus son youtubeur, il était super sympa. Le doc. Sérieux, c'est comment ça s'appelle? Avec des lunettes, grisonnant et super gentil là. J'ai vu une review lui, mais je me rappelle le nom, c'est lui.
Non, ouais, et bah lui il est fun parce que tu vois qu'il s'en fout complètement. Il est là, il fait genre ça c'est cool, ça c'est de la merde. C'est vrai, fun. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est un français, donc ils sont fun comme nous, tu vois. Alors que les reviews, j'ai déjà vu des reviews en Asie de ces trucs là, c'est genre ça c'est All Might. Ça c'est pas All Might. Enfin, si ouais, à manière asiatique, ils lancent les boîtes à hamburger au fond et puis ils font plouf plouf pouf pouf pouf. Et après, ça c'était mon pied. Et pardon, et il faut des meufs vraiment hyper belles qui tiennent leur statut comme ça. Okay. On en fait des cas là. Bonjour, vous avez mon décolleté. Donc voilà, ces produits sont encore disponibles en magasin et sur site SPBE, en tout cas je l'espère parce qu'elles partent hyper bien, rupture de stock hyper vite en précommande et là mon magasin elles partent tous les jours. Et c'était un super beau cadeau pour Noël, donc là à l'heure actuelle ça se trouve la review arrive. Non, je la sors super vite, là, elle est déjà sortie, on a tourné, elle est sortie hier. J'espère parce qu'on a quand même la déco de Noël, elle sort en mi-janvier. Ça vient comme moyen. En tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez pensé à cette vidéo. On espère que notre contenu vous plaît toujours en fin de fin d'année. Vous savez pas qu'on est hyper fatigué, donc on est très difficile, on fait notre mieux. C'est... Énormément de nouveautés arrivent l'année prochaine. Ouais, vraiment, en fait là, on va faire tellement de reviews de malade mental l'année prochaine que ça va être... Avec le compte Olifant de l'équipe. Le quoi? Je suis complètement. Abonnez-vous, c'est produit sur magasin ici à Liège, TSPPBE, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et on vous dit. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!